Le savant n'étudie pas la nature parce qu'elle est utile. Il l'étudie parce qu'il y prend plaisir. Et il y prend plaisir parce qu'elle est belle. Je veux parler de cette beauté intime qui vient de l'ordre harmonieux des parties et qu'une intelligence pure peut saisir. La beauté intellectuelle se suffit à elle-même. Tout se passe comme si le temps était une quatrième dimension de l'espace. Et comme si l'espace a quatre dimensions résultant de la combinaison de l'espace. Que doit-on penser de cette question? La géométrie euclidienne est-elle vraie? Elle n'a aucun sens. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre. Elle peut seulement être plus commode. En d'autres termes, les axiomes. Il arrive que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortuit. Peut-être aussi devons-nous construire toute une mécanique nouvelle que nous ne faisons qu'entrevoir, où l'inertie croissant avec la vitesse de la lumière deviendrait infranchissable. La mécanique vulgaire, plus simple, resterait une première approximation puisqu'elle serait vraie pour une vitesse. Un homme prépare la publication d'un mémoire long de 70 pages concernant la mécanique nouvelle. Par bien des aspects, ce texte se rapproche de celui qu'Einstein va publier quelques mois plus tard et qui est considéré comme le texte fondateur de la théorie de la relativité restreinte. Cet homme, c'est vous, monsieur Poincaré, n'est-ce pas ? Pourquoi votre nom n'est-il pas lui aussi associé à la découverte de la relativité? Pourquoi vous, un des grands génies de la science, n'êtes plus connu que des spécialistes? Que s'est-il passé, monsieur Poincaré? C'est bon, nous vous laissons travailler. Mais votre histoire appartient à tous. C'est celle de la naissance de la science moderne. Histoire qui commence en 1854 à Nancy. Est-ce la géométrie harmonieuse de la place Stanislas qui éveille votre passion pour les mathématiques? La maison de votre enfance. Très jeune, vous tombez malade de la diphtérie, échappant de peu à la mort. Mais vous êtes très bien soigné par votre mère, si admirative de son fils, et votre père médecin, amateur de voyages en famille. Votre sœur, très proche de vous, raconte vos dons précoces, votre sensibilité, vos inventions. À l'école, les leçons viennent se ranger toutes seules dans votre tête, dit-elle. Votre esprit imaginatif s'enflamme en lisant La Terre avant le déluge et les autres livres de vulgarisation de M. Figuier. Vous êtes un enfant doué, très doué.
Mais qu'est-ce qui va faire de vous un génie? À 16 ans, vous rencontrez le tumulte de l'histoire. Les Prussiens s'installent chez l'habitant, à Nancy, en 1870. Vous apprenez fébrilement l'allemand pour essayer de trouver des informations. À 19 ans, c'est déjà l'école polytechnique où vous entrez premier. À ce moment, la compétition scolaire vous occupe entièrement. Vous écrivez à Madame votre mère des lettres surprenantes. Puis c'est le corps des mines. Là, vous oubliez la compétition scolaire. Vous vous consacrez aux mathématiques pures. Plus question pour vous de faire carrière dans l'industrie ou dans l'administration. Vous allez commencer à publier vos premiers travaux de recherche. Est-ce que vous avez choisi à ce moment-là, Monsieur Poincaré? Ou bien avez-vous été saisi, emporté par le génie? Le célèbre photographe Nadar s'envole en ballon et prend des clichés de Paris vus du ciel. Jules Verne, son ami, envoie des hommes dans la Lune et vos contemporains se passionnent pour l'espace. Les mathématiciens, eux, depuis quelques années, découvrent d'autres dimensions, d'autres conceptions même de l'espace. Lobachevsky, Riemann inventent ces nouvelles géométries qui vont beaucoup troubler les esprits, provoquer des débats scientifiques et inspirer les artistes. Votre génie, Monsieur Poincaré, est géométrique. Vous passez avec aisance de la géométrie classique, celle d'Euclide, aux géométries dans lesquelles, par un point pris hors d'une droite, il passe plusieurs parallèles à cette droite. Et vous êtes si à votre aise dans ces espaces étranges que vous parvenez à transposer certaines de leurs propriétés dans d'autres domaines des mathématiques, comme celui de l'analyse. Depuis 15 jours, je m'efforçais de démontrer qu'il ne pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j'ai appelé depuis les fonctions fuchsiennes. J'étais alors fort ignorant. Tous les jours, je m'asseyais à ma table de travail. J'essayais un grand nombre de combinaisons et je n'arrivais à aucun résultat. Je pris du café noir, contrairement à mon habitude. Je ne pus m'endormir. Les idées surgissaient en foule. Je les sentais comme se heurter, jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. À ce moment, je quittais Caen, où j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne.
Voilà qui vous ressemble bien, monsieur Poincaré. L'intuition. D'abord l'intuition. Et l'audace intellectuelle qui vous permet cette transposition inédite. Mais dès ce moment aussi, se manifeste une autre préoccupation caractéristique. Le désir de comprendre comment votre esprit a fonctionné. Plus tard d'ailleurs, vous décrirez avec une étonnante modernité le travail inconscient du mathématicien, finalement guidé, selon vous, par le sentiment de la beauté mathématique, de l'harmonie des nombres et des formes, de l'élégance géométrique. Mais pour l'heure, cette nouvelle découverte vous propulse dans le premier cercle des mathématiciens. Vous n'avez que 26 ans, et vous vous êtes très vite imposé dans le monde scientifique. Vous voyagez dans toute l'Europe pour rencontrer les plus grands, vous correspondez abondamment avec eux. Mais vous restez un travailleur solitaire, souvent brouillon, peu préoccupé d'entrer dans les détails de vos démonstrations, toujours avide d'aborder des sujets nouveaux. Bien plus tard, vous irez jusqu'à inventer une branche des mathématiques que l'on appelle aujourd'hui la topologie. Une des idées de cette topologie est de classer l'ensemble des formes imaginables. Une tasse de café, par exemple, peut se déformer de façon continue en un tore parce qu'elle possède une anse. Bien peu de mathématiciens peuvent se vanter d'avoir donné ainsi naissance à un nouveau domaine des mathématiques. 1885. La statue de la Liberté, sculptée par Bartholdi, est réalisée à Paris avant de partir pour New York. Là-bas, comme en Europe, le monde moderne invente ses symboles. Une autre déesse drapée à l'antique, la fée électricité, se dresse pour éclairer le monde et chasser l'obscurité grâce à la lampe à incandescence mise au point par Edison. De toutes les innovations techniques qui se multiplient, elle est la plus prodigieuse, le plus beau fruit de la science porteuse de rêves et d'espoir. 30 millions de visiteurs se pressent à l'exposition universelle de 1889 pour admirer ses prodiges. Grâce à elle, les heures d'ouverture sont maintenant prolongées jusqu'à minuit. La tour Eiffel, construite pour l'occasion, est enveloppée de cordons lumineux et possède à son sommet un puissant phare. La tour Eiffel, autre symbole de cette enfance innocente du monde moderne, est cependant violemment critiquée, et souvent par des artistes de renom. Un monument doit être habillé, disent-ils. Eiffel leur répond que la beauté de sa tour, c'est la beauté d'une courbe mathématique calculée pour offrir le moins possible de résistance au vent. Vous devez l'aimer, cette construction dépouillée, monsieur Poincaré. Elle est réduite à l'essentiel, comme les mathématiques, qui recherchent la forme pure, la structure même du raisonnement. Toujours prête à attaquer de nouveaux problèmes, vous devenez physicien. Vous travaillez par exemple sur les ondes hertziennes, qui permettront bientôt d'envoyer la première transmission radio depuis la tour, sur la question des marées ou celle des mesures terrestres. Vous avancez l'hypothèse de la création de la Lune à partir de la Terre. En 1889, vous recevez le Grand Prix du roi de Suède pour votre contribution au problème des trois corps. Si on imagine deux corps dans l'espace qui s'attirent mutuellement selon la loi de la gravitation, le problème est assez simple.
Mais il suffit d'ajouter un troisième corps pour que tout se complique terriblement. Là, les trajectoires deviennent très difficiles à prévoir. C'est un problème bien connu, mais tellement complexe qu'il n'a pas beaucoup avancé depuis Newton et Laplace. L'enjeu est pourtant important. C'est la stabilité d'un système Terre-Soleil-Jupiter, par exemple, en négligeant l'influence des autres planètes. Pour étudier ces trajectoires complexes, vous inventez des méthodes nouvelles. Et vous montrez qu'une toute petite différence dans les conditions initiales d'un système de trois corps peut entraîner des variations énormes dans les trajectoires suivies. Votre travail mathématique, repris et prolongé par d'autres, va donner naissance à la théorie du chaos, une des plus importantes du XXe siècle. Ainsi, le mathématicien, face aux réalités les plus complexes, parvient-il à montrer un ordre sous-jacent, à mettre en équation l'imprévisible? Y aurait-il un ordre caché du monde qui serait mathématique? Ou bien cet ordre caché se trouve-t-il dans notre tête, dans notre façon de comprendre le monde? Plus vous avancez, monsieur Poincaré, plus la pensée devient l'objet même de votre pensée. Votre travail en mathématiques, en physique, vous conduit naturellement à devenir philosophe. Mais ne l'étiez-vous pas dès le départ? Vous publiez des ouvrages ambitieux qui vont pourtant rencontrer un large public. Plus de 80 000 exemplaires vendus, ce qui est considérable pour l'époque. Il faut dire que ce tournant du siècle que nous donnent à voir les premiers films des Frères Lumière se cherche des repères. L'exposition universelle de 1900 attire, elle aussi, des millions de visiteurs toujours fascinés par les technologies nouvelles. Ils découvrent le métropolitain et les trottoirs roulants. Mais cette époque est agitée par des débats passionnés. La séparation de l'Église et de l'État est proche. Les partis, les groupes sociaux et même les familles se déchirent à propos de l'affaire Dreyfus. D'un côté de la frontière allemande comme de l'autre, le nationalisme s'exacerbe. La science elle-même devient un enjeu idéologique. C'est la question de son sens, de sa valeur qui est discutée. Pour certains, comme le chimiste Berthelot, la science est à son apogée. Elle nous dit la vérité sur le monde et nous ne ferons plus qu'affiner les résultats, gagner quelques décimales en précision. Pour d'autres, la science est en faillite. Les théories actuelles remplacent les anciennes, mais elles seront à coup sûr, elles aussi, balayées. Elles ne peuvent donc prétendre à aucune vérité. Là où les autres s'enflamment, emportés par la passion, vous proposez un point de vue argumenté. Vous analysez finement le rapport complexe entre science et réalité. Non, il n'y a pas de vérité absolue de la science, car c'est nous qui choisissons les postulats qui servent de base à nos théories scientifiques. Mais cela ne discrédite pas pour autant ces théories, car ce choix est guidé par l'expérience. Vous proposez ainsi toute une théorie nouvelle de la connaissance qui va marquer les penseurs de l'époque, qu'ils soient scientifiques ou philosophes, et finalement résonner tout au long du XXe siècle. Après vous, la philosophie des sciences modernes ne pourra plus ignorer le rôle du langage que nous utilisons, la dimension historique de l'aventure scientifique et même la nécessaire prise en compte de notre fonctionnement mental. Maxwell, Hertz, Lorentz, tous les grands physiciens de cette fin de siècle ont remis en cause le modèle mécaniste du monde
et bouleverser le cadre de la physique. Vous vous faites le penseur de cette première révolution, toujours partagé entre l'audace de votre esprit et la prudence de votre caractère. Dans vos ouvrages, vous revisitez les concepts fondamentaux de temps, d'espace, de force, de mouvement. Cela même que met en scène votre collègue à l'Académie des sciences, Étienne Jules Marais, pionnier du cinéma scientifique. Dans ce moment où naît la science moderne, si abstraite, pour être un bon physicien, il faut être un bon mathématicien, mais également un bon philosophe. Car il s'agit de remettre en question des concepts qui nous sont familiers, mais qui peuvent se révéler des évidences trompeuses. Premièrement, il n'y a pas d'espace absolu et nous ne concevons que des mouvements relatifs. Cependant, on énonce le plus souvent l'effet mécanique comme s'il y avait un espace absolu auquel on pourrait les rapporter. Deuxièmement, il n'y a pas de temps absolu. Dire que deux durées sont égales, c'est une assertion qui n'a par elle-même aucun sens et qui n'en peut acquérir un que par convention. Troisièmement, non seulement nous n'avons pas l'intuition directe de l'égalité de deux durées, mais nous n'avons même pas celle de la simultanéité de deux événements qui se produisent sur des théâtres différents. Quatrièmement enfin, notre géométrie euclidienne n'est elle-même qu'une sorte de convention de langage. Nous pourrions énoncer les faits mécaniques en les rapportant à un espace non euclidien qui serait un espace moins commode mais tout aussi légitime que notre espace ordinaire. Assurément, monsieur Poincaré, votre travail scientifique et philosophique prépare la révolution relativiste. Il y participe même fortement avec la découverte du groupe des transformations de Lorentz. Pourtant, cette révolution, l'histoire en accordera la paternité à un autre. Ce jeune homme, qui a lu la science et l'hypothèse avec enthousiasme. Ce jeune Einstein, que vous avez croisé sans jamais vraiment le rencontrer. Comme ici, en 1911, où vous lui tournez le dos pour parler avec Marie Curie. Pourquoi ce dialogue n'a-t-il pas eu lieu? Le choc de deux personnalités trop fortes? Ou le poids de la rivalité franco-allemande à la veille de la Grande Guerre? Au fond, tout se passe comme si vous aviez élaboré des réflexions, des constructions théoriques essentielles pour la naissance de la physique relativiste, et puis, un jeune homme vous a coiffé sur le poteau en assemblant de façon brillante et inédite certains des éléments que vous aviez fournis. Décidément, tout est relatif, monsieur Poincaré. Et pas seulement en physique, la gloire aussi, la postérité. Vous avez apporté des contributions fondamentales aux trois grandes théories de la physique moderne, celle de la relativité, celle des quanta et celle du chaos. Vous avez profondément marqué l'histoire des mathématiques et celle de la philosophie des sciences. Mais vous n'avez pas trouvé votre vraie place au panthéon des génies de la science, comme Marie Curie ou Albert Einstein. Pourquoi? Attendez, monsieur Poincaré. Ne partez pas. Qu'en dites-vous? Tout ce qui n'est pas pensé est le pur néant, puisque nous ne pouvons penser que la pensée, et que tous les mots dont nous disposons pour parler des choses ne peuvent exprimer que des pensées. Dire qu'il y a autre chose que la pensée, c'est donc une affirmation qui ne peut avoir de sens. Et cependant, étrange contradiction pour ceux qui croient au temps, l'histoire géologique nous montre que la vie n'est qu'un court épisode entre deux éternités de mort, et que dans cet épisode même, la pensée consciente n'a duré et ne durera qu'un moment.
La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit. Mais c'est cet éclair qui est tout.